Bonsoir à tous, bienvenue au 9e Venus Little Country Show. Donc je m'appelle Dédé Maccabé et j'ai l'honneur ce soir d'avoir comme invité Camille Morédu. Bonjour. Alias Cam Lamithi. Donc Cam Lamithi, c'est quelqu'un, c'est moi. Docteur en histoire, oui c'est toi. Elle est docteur en histoire et conférencière et en plus banjo killer au sein du duo The Coucoutou. Voilà, oui. The Coucoutou c'est nous. Oui, coucou. Qu'est-ce qu'on va jouer Camille? Eh bien on va commencer par Take Me Back. C'est un blues qui a été interprété par une musicienne qui s'appelle Bonnie Jefferson et enregistré en 71 à San Diego. D'accord. Et cette dame, elle était... Elle était femme de ménage. Ah oui, c'est bien ce Elle était aussi blues woman. D'accord. Bon, vas-y, allez, hop. S'inspire de celle de Clarence Ashley, n'est-ce pas, bon, je dis du Tennessee, qui l'a enregistré en 1929, et avec ces fameux licks de banjo très, très caractéristiques de Clarence Ashley. Et donc c'est un morceau qui parle du coucou, qui est un oiseau dont le chant annonce l'arrivée du printemps, mais qui est également symbole d'incontinence et d'infidélité. Bon, on commence. Oui, allons-y. I'm not afraid to die.
avec un gospel, je crois. Ouais, un des morceaux les plus récents, en fait, hein, de notre répertoire. Oui, je crois bien. C'est de l'hyper moderne, parce qu'elle est attribuée à une musicienne et collectrice de Virginie, Marie-Peter Sturgill, qui en a enregistré une version en 1970. Alors peut-être elle l'avait écrite, composée avant, on ne sait pas. Et ça s'appelle Deep Settled Peace in My Soul. Mm-hmm. Donc c'est un hymne dans le gospel. Ah, c'est banjo, il faut toujours les réagir. Bah oui, tu lui donnes pas assez à boire. Il est tout desséché. Entracte. Et on n'en profite pas pour boire le moonshine de Mémé. C'est à la fin.